deux équipes, un même rêve, c'est cette Coupe Nationale. Voilà le pitch de cette finale qui s'annonce passionnante. On se retrouve au Parc des Princes pour le coup d'envoi. Elle a débuté il y a presque un an et elle a regroupé tous les clubs du pays. Voici enfin la finale de cette édition de l'indémodable Coupe Nationale. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Et voilà, c'est la finale de cette Coupe Nationale. Maintenant, c'est aux deux équipes de prendre la mesure de l'enjeu. Et le face-à-face à venir. Et ça y est, le voilà, le premier but de cette finale. Ça y est, la boîte est ouverte et les pas périmés, les sardines, ils peuvent danser, crier, chanter. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Le premier but de Spearings. Eh bien fait, quelle ouverture! Le but! Et déjà deux buts d'avance dans cette finale! Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Duchamp là, pour les Canaries, sur le côté. C'est le but! Et oui, voilà! Plus qu'un but de retard maintenant! Avec le recul, on voit effectivement que le ballon a bien été touché, dévié par le gardien, mais ça n'a pas pu empêcher le but. Et avec du ballon, ballon pour Ludovic Blas. Attention, voilà un bon duel. Et but, voilà l'égalisation. Cette finale tient toutes ses promesses. Et le spectacle promet d'être grandiose. Et oui, c'est un match qui grandit, qui fructifie cette compétition. Incroyable cette égalisation. Regardez, elle est magnifique ce coup de passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir toute la défense. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et la frappe peut-être. Oh là là, le but qui leur permet de prendre l'avantage. Le but qui les place en tête. Un moment clé de cette rencontre. Ça y est, il faut prendre rendez-vous chez le cardiologue parce qu'on va manquer de l'oxygène, parce qu'on sera à l'agonie, le souffle va nous manquer. Le réalisateur nous montre le but à nouveau et j'ai envie d'insister sur le rôle de l'anticipation et du placement. L'action est très bien mise. Ah, le score est donc de 3 buts à 2. Oh, c'est un bon ballon ça! Et le voilà! Le but du titre! Le but de la victoire! Le but en or!
Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le but du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Sifflé, il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. Ce sont toujours des moments très particuliers, le moment où vous marchez vers le podium, on vous remet la médaille, tout ce cérémonial. C'est ce qui nous relie à l'enfance. C'est vrai, et là on les voit, les joueuses, évidemment, elles sont radieuses, elles sont heureuses. La coupe, les rires, les larmes, les selfies, ce sont des joies toujours banales, mais toujours uniques et éternelles. Ça y est! Elle soulève le trophée. Soulever une coupe devant ton public, c'est des rêves qui se réalisent. Regardez, regardez la joie que ça procure à tous.